Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Zadfoumila spéciale Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Boueni et nous sommes accueillis par l'association Mohamed Nour de Boueni. Et nous avons comme invité Madame Habiba Madi qui va nous parler de cette association. Mayangu Tsouiz. Riverona Monakalima, Rouire Ledze, Makso de Chamaini, Ini Yarangulin Yalagunia Binvan, Ata Wasir Lungao, Emission Ini. Imbali na maurevanu rijue rielewe maksuda ya shama Nuru Mohamed Nur. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamu alaykum wa maure wa salamu alaykum wa maulidan wa Nuru Mohamed Nur. Mohamed Nur. Marhaba kaina mpaka. Ewa wasi watu wa maulidan Nuru wa Nuru yani sama detuni ni mazar para mahashirini na mitano. Rada koromoja alhamdulillah karsmana karshinrana rsbenzana senda hat fakimoja na maulidaya trini tamwezi mungu atusaidia be maulidaya trini ripara na mayatu na mahoko yatu maulidaya trini ini wasuibenza rana tromiatu maulidaya trini wasuibenza rana tromiatu be watomia tru alhamdulillah rabbil alamin wa urikia ramwambe mbarsenda maulidani wa kubali basi maulida twini ripara hafundwa tru ahirwao menuru menurunu waehirwa mwaenge mwaenge unu alhamdulillah rabbil alamin maza andre zaembele za mwezi mungu maulida twini alhamdulillah rabbil alamin ripara hamana ham fundi watu airao mamti maulida twini wa amaya tru mamti wa kamaya tru mwenge waka kokwatu kabo mtu akomenza maulida lemengu ni hamwezi mungu vanu uri mwenge tia maore vanu pia wakona mwenge namna akomenza maulida basi alhamdulillah rabbil alamin wasi wa shuhuri jarim tibi mwenge mwenge unu amza mamti mamti unu asomoha mwenge ata alhamdulillah rabbil alamin wasi renge maulidaini ribanga shifban hatu amba wasi benza rana tromi hatu salamu alaikum hili warongo amba Maulidai ina nguvu swafi. I urongo walemba muirenge ha mahoko wanyu. Hali mashababi wana wanyu ufundiha na usoma maulida. Alhamdulillah rabbil alamin wana watu na juu watu pia wangi ya maulidani vanu. Mkini babo utona wana hiri muna muna walo babo. Mana na tati tuatiti waharu wadeba be wana wama yao na mahoko yao wadungu ya maulida. Be wanata watitu watitu wao wadungu zdeba. Be wasi atu wabode wabode kiasi kiasi wadungu imaulida. Mana maulida nsikiri ambayo jibiza rana deba. Wasi ya maya wasona maulida tu yo stawi rana deba. Na wana maulida deba yo stawi rana maulida. Basi shuhuli mbili zo alhamdulillahi rabbil alamin watu washeo zibenza sahi. Mana wa muka debani wa ujibi wa sahi sahi na wasira muka maulidani. Wih, maginia tuhea pia mashallah ukana. Na mnarijibi wao. Ruhoza tubuha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Basi urongo mba maulida shenge ya ujuraha na wamewanyu. Mm-hmm. Basi wantubaba wao la gunuhu. Sabu kwa sona uivu umuzungu urongo wa jaluzi. Mm-hmm. Banda ilio mba ajua mba mshe wangu anu, maulida haeju, yu ina faida, msa, yu ina huba, anahuba rana rahana wami. Kaisonga tashawushi laguno? Watomeo pia shengini wajarudungu harubwa maulida iyo. Watomeo watu, wasalia pia wajarudungu harubwa maulida iyo. Na kulakaja ramuja maulidani woka paru jasera bila kwa paru para mtume arongwa mbanti mfungwa mshiongo manaka sana maulidani. Bewa ijibi wa sahe sahe. Wasuja maulidani harahana buraha ujibi watu ashe ujibi watara na tubaba. Matarufu tuwa ujuhu na mnajibi wao. Alhamdulillahi. Mazibabu utungu zafiti mana uvashitu hirao utifaki. Basi
wasiwatini utsorwayo lewanu wasimashababi atari kina huba na maulida shenge rijeri mparani risome rijwe wajao mwadeli rtso zina wa maulida shenge. Sinilai romandai. Nisumia wana watu. Rasumia wajuhu watu. Na mje mjuripare wanyo siya mayanyo. Mje mdunge maulida. Dewa sikarishindi mziani debani hanyo. Nekamu suja maulidani. Na mje. Mje mjuripare. Ringadze maulida. Rijibiwe. Hasoti atu pia kamu kwa benze. Mwamukana debani wasiritsoja. Wanyo ramukana maulida zatu. Mje. Harahana buraka mkwa benze. Wana watu na wajuhu watu. Salam alaikum. Vous avez compris l'importance de Maulida Shenge à Mayotte, notamment au niveau des femmes. Elle a dit que le Maulida Shenge est plus aimé des femmes que leur propre mari. Cela dit, il n'y a pas de conflit à la maison. Les hommes ont compris que c'est important pour les dames, de sorte qu'eux-mêmes, ils viennent aussi assister et prendre part au Shenge organisé dans les différents villages. On a aussi compris qu'il est important de préserver notre culture, qu'on appelle Mila en Shimaoré ou en Kibushi. Il est très important que les jeunes et les moins jeunes s'investissent justement pour préserver cette culture, puisque un pays, une nation qui n'a pas de culture est une nation qui est vouée à disparaître. Sur ce, nous allons maintenant suivre une vidéo de Madame Hassanati Kamardine, où elle nous parle de l'association Mohamed Nour de Bouini, et où elle nous explique quelque part ce que le but de cette association-là, l'année de création aussi, et ce que cette association apporte aux habitants de Bouini. La bétourte. Sabanu, Beni a tué, Beni la goût, Pedza, Pedza, il y en a, Tinin Hatuvanu. Noris tui, Izibiza, Pedza, Izibiza, Toben, Pedza, Halo, Homoroga, Pedza, Kobubua. Biaba Sabani, Fanya, Haina, Ushewo, Manayo, Puata, Mazarakani, Puata, Momo, Atupio, Venza, Pedza, Evadevoir, on va tout Babenu, Venza, Pedza, Mefania, Babenu, Pedza. Safket jabanu hai shama ya maulida. Dina jabanu shama ya maulida hale kwa shama ya maulida. Kana mabako kwa tu, kana mababa tu, babangu wa kwa kamadini, ya wawa kababu vuka munu miraji, vuka bamdala, vuka saidiatumani, vuka alidau, vuka tabako kwa kwa hirwa manu msama siyala, wako jwa maulida tahamwe. Safket. Jabanu hale maulida kuhirwa shame maulida tu shame maulida shame maulida kana mahuku watu zimingita wami uvenza maulida rangwa sugu uvenza maulida rangwa kamtiti tsidungu maulida ta lirangi anrolani na japaramba mtu anlola uwayo ufanya chiyo basi tiyere zaidi rangu nalolwa tsidungu maulida ta tuwabwele wawo piara kupasha matrini jahazi wenda tsingoni wenda mjini wenda uwar kwenda hamindu wenda hamala tini kwenda hamindu wenda kani yo maulida nyohamo hutala uko nunga inzi kusubutu wenda ulunga inzi awe kiwa ho wendri wala kwa korea hali uwar kwenda hamindu kala kara korea kawaka gari kawaka pare kwenda tu hamindu viri malavunu wenda tatu maulida hapa sabanu wa mabare wa magari rsuria safke maulida hale yuko jibidza. Yalewe sujibidza, biya hale yuko jibidza, mana karakoria, kawaka tambu, kawaka chitsoko yutu. Kuna zatu maulidani, hauzuri ukwari, taukusheri, kubadza, ata dizeri wanziri jama lagunyi. Abasa manu maulidana, mana maulidani, abasa ya gaudu wa mtana, mtana utotu wa suwamera mtana, temperatura ziri, atutapu hakamu. Biya hale maulidani mtana, paka siziri rakotapu, abasa manu paka turaziri. Safikia abasa manu ishiwa. Mohamed Dinour yeey fanyi ha nour alhamdullilah ya nour mana atwa apia wa jamoni babu pia na tsawa atwa bolo na hirimu atwa shuka tutaraba atwa shinge monna Mohamed Dinour safke na uri ya nzuri alhamdullilah rabbil alamin safke bweni atwa mtsika tu bweni yo tuzwa bade bwenne tuzwa mana tsapara na tumbolana ambia.
atwalia bima tsembwa tuma uliana bia tuma maendra matijakam sabkezi kiatu dagola bweni nguna umbwa bweni 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 taleo tsjomba bweni yode bela bweju au bela bweju le ya changina bweni ni na changina babode tsjwana rongwa bima botsikiatu bweni bweni de la vidéo de Madame Hassanati Kamardi nous expliquant un peu l'association et comment ça se passe au niveau du Shenge. Nous allons maintenant recevoir sur notre plateau Monsieur Atoumani Saïd, qui est l'un des chanteurs du Shenge de cette association-là, qui va nous parler du processus de création des chants. Monsieur, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Expliquez-nous un peu, c'est quoi les références lorsque vous composez les textes pour les chants de Maulida Shenge? Alors, les textes en entier, je dirais l'ensemble. C'est drôle, là où je m'aurais. D'accord. Ewa, zi, yamaka suidenu, yalo mouna ishenge, yao piyao, yana raporo au yasuenda haumsifu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Makasuida tu yana yantu makasuida maure izasalia au tini himbo maure izasalia, biya ni makasuida, yasuenda suwa na usifu uzuru wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maisha yake ayabitsale mengunubano nai kalite he Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtukuza au shengimo yasumlagwa de Allah directement way Allah Subhanahu wa Ta'ala yasumlagwa Allah au yasumlagwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nau ya masuhaba he na wana wahe hiyo pia makusida pia ya dimuni babo. Donc quelque part les textes et les chants ce sont des messages. Oui, c'est des messages également. Alhamdulillah, zi message zi lawao alhamdulillah en kula watu mokia watu waelewa zi tafasiri zi makasida yenu wao waelewa mbaini kasula gwatunga ngine za upotevu bisi la gwa msifu de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzirua he maisha ya he maswahaba he urembavu he akana onanya he na hele abingai dini ta ailisha ndambe za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. On sait que les textes islamiques en général sont en arabe. Est-ce que dans les chants vous les composez aussi dans les deux langues local, de non. Sorte à ce que le message puisse passer. Voici zima kasudaza tu zini voici car zi composé shmaori. Voici vous composé vous renga toujours mon nazio za sharabu. Yangu déjà sharabu. Be voici caria gauza shmaori. Ne kamfano wa mafundi alhamdulillah rabbana mina wababo. Wa ushindori yele zao zima ana zahe. Wa nyingi marsueli wa zima ana. Be voici caria la gua shmaori. Voici yafanya toujours sharabu. Il vous faut combien de temps, combien de jours, combien d'heures, combien de minutes pour composer un chant, un seul chant? Parce que je vois qu'il y en a pas mal. Ah oui. Ou compo utinini ufanya au utunga kasuida iyo tsitongo nziro hangu. Bewasi ra atau paraleweni raha wasika ra tunga ilatu wasi risuanso tunga be raha karaya toa be zizo wasi renge de zo mababa tu na mafundu watu wabira wazi wazipanga wazilisha waziangia mona zikai zilizo de zuru miato paralewen raka raga zato ngotoka yote. Une question qui revient souvent dans les discussions, on sait que ce sont les hommes qui sont au niveau, qui sont avec les djembé, si je peux dire ça comme ça, et les femmes au chant. Est-ce qu'on peut pas à un moment donné inverser un peu, que les dames se mettent à taper du djembé et que les hommes aussi se mettent à chanter? Ewa zizo tongo iloka mwane mazazi sujiri. Lakana mfano tawa wao surungo mazari zgao. Zenezo mazazi gao hamana watu washuani alhamdulillah rabbil alamin wore mazdeba. Nazo wasu watu baba karika. Watu washuani wa wengi wabwa kaliteza makasuida za omba. Wao ufanya makasuida urumia ngoma. Urumia atafumba ule zile na zidori. Donku izo titongo iloka mwane mbara sujo zgao za. Watu wao mazao wa mwane na zitongo zo. Mana tongo zini zo wajibia kalite. Ata yende taipara mziani mba mkini neka karsupara watu baba wazifanya. Watu wa shonu watayari watore mawao zingoma warisei diya haribu wazitongo zini. En français, quel message envers les jeunes justement pour qu'ils puissent s'intéresser à cette, pas seulement au Shenge, mais à la tradition, à la culture maoraise? Alors, le message que je peux envoyer à tous nos jeunes, que ce soit filles et garçons, c'est que quand on se retrouve à ces genres d'endroits, à ces genres d'assemblées, c'est des moments de convivialité, c'est des moments d'amour, c'est des moments d'amour pour Allah, d'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi c'est des moments d'amour entre nous. On ne peut pas être dans le Maulida et ne pas s'aimer. Donc du coup, on ne s'aime pas en amour, comme certains le croiraient, mais en amour pour Allah. Et ça, c'est une recommandation qui a été faite par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on aime son prochain comme
Voilà, comme on peut, voilà, on peut aimer son prochain comme Allah, en fait, pour Allah. C'est pas comme Allah, mais pour Allah. On peut aimer son prochain pour Allah. Même si c'est pas ta femme, même si c'est pas ta descendance, c'est pas tes enfants, c'est pas, tu peux aimer quelqu'un pour Allah. Et ça, c'est bénéfique. Donc, du coup, dans le monde d'Achengue, franchement, il y a cet amour entre nous. Il y a cet amour mutuel. On s'aime, on se consulte, on se parle, on se concerte. On est là, on échange ensemble. Et quand on est là, quand on est dans nos assemblées, Allah, alhamdoulilah, rabbal alamin, tout le monde est souriant. On ne sort jamais pleurant. On n'est pas là pour s'attrister ou autre. On est là pour être heureux. On oublie tous les problèmes locaux, tous les problèmes qu'on rencontre à la maison. Franchement, quand on est dans nos assemblées, on les oublie. Et alhamdoulilah, donc j'invite tous nos enfants, que ce soit filles et garçons, de venir nous rejoindre. Parce que c'est des moments qui peuvent disparaître, c'est des traditions qui peuvent disparaître un jour si on ne les conserve pas. Donc les conserver, c'est justement de les transmettre à nos jeunes, à nos enfants, à nos descendants, justement pour que qu'on puisse conserver ces traditions, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc dans la conservation de notre patrimoine culturel, je vois souvent les fundis ceux qui chantent en général, ce sont nos grands-pères, nos pères. Est-ce que les jeunes aussi ont leur place Bien sûr. Pour chanter, bien évidemment. Oui, ils ont leur place pour chanter. D'ailleurs, moi, dans mon association, je suis en train d'inciter justement nos jeunes femmes à justement apprendre des kasidas, chacun de son côté, pour le réviser et venir le chanter. Et voilà, quand l'occasion se présentera, je les incite, moi, mes petites sœurs et mes petits frères, parce que je suis là dans cette association avec des frères aussi. Tous les garçons que vous voyez avec moi, c'est des frères, c'est des cousins. Et justement, ceux-là, je les incite justement à apprendre justement pour pouvoir aussi s'exprimer eux-mêmes. Voilà, que ça soit pas moi, je suis pas là pour mon intérêt personnel, mais ceux-là pour l'intérêt de tout le monde, alhamdoulilah. Une question un peu piquante. On a souvent un discours qui tend à dire que la voix de la femme ne doit pas être portée, ne doit pas être entendue de quelqu'un d'autre de l'extérieur. Vous répondez quoi par rapport au chant de Maulida lorsque on sait que les femmes ont une place prépondérante dedans? Oui, ça c'est des polémiques qui vont et qui viennent. Je ne comprends pas la personne qui nous dit ça, alors que tout de suite après, dans les médias, je vois des femmes qui se concertent et qui se disent « Nous, on est ceci, on se prévise, on ne veut pas que nos voix s'entendent », alors qu'ils osent aller sur les réseaux sociaux pour soit lire le Coran, soit plaider ou militer pour telle ou telle chose. Je ne comprends pas ces gens-là. Mais quand il s'agit du Maulida, la femme n'a pas le droit. Mais elle a le droit d'aller crier, de lire le Coran très fort, même dans les médias, tout le monde le voit dans le monde entier. Comment vous répondez à ça? Moi, je trouve juste que c'est une amalgame qu'on est en train de créer justement pour essayer de nous éloigner ou pour essayer de faire en sorte que les femmes ne viennent pas dans nos assemblées. On sait que le village de Bouéni, la commune de Bouéni, est une commune très sportive, via Miracle du Sud et Mzoisia. Est-ce que les jeunes, dans leur majorité, sont intéressés par le Chengue? Je sais qu'il y en a qui le font, mais est-ce que dans la majorité, est-ce qu'ils sont intéressés par... Ils sont très intéressés. Ils diront peut-être le contraire. Mais je vous avoue qu'ils sont vraiment tous intéressés. Pourquoi? J'ose dire cela parce que moi, je les entends tous dans leur voiture. Ils n'écoutent que du Maulida, que du Chengue. Je ne comprends pas s'ils n'aiment pas cet art, alors que dans leur voiture respectuelle, même dans leur maison, ils n'écoutent que ça. Dans leur téléphone, ils n'écoutent que ça. Tous les jeunes, ils sont concernés. Même s'il y en a quelques-uns qui se détournent, il y en a quelques-uns qui ne partagent pas le même avis. Mais c'est des nombres, mais vraiment très minimes. Mais dans la majorité, dans la commune de Bouéni, que ce soit les sportifs, que ce soit les femmes du débat, les jeunes qui sont dans les différentes associations, tous partagent le souhait et l'amour du Maulida Chengue. Monsieur Atoumani Saïd, merci de votre témoignage. Nous allons maintenant continuer dans notre émission en regardant une vidéo justement de Maulida Chengue, puisqu'on est dans le thème, hein, Maulida Chengue, de la commune, du village plutôt, de Bouéni, l'association Mohamed Nour. Et on se retrouve juste après.
Je laisse le micro.
Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre beau village. Merci. Vous êtes la présidente de l'association Mohamed Nour de Gwini. Oui. Spécialement le Dachengue. Mm-hmm. Il y a d'autres volets dedans. Moi, j'ai intégré l'association depuis décembre 2023. Mm-hmm. Quand elles sont venues me demander d'intégrer l'association, c'était pour changer d'activité. Qu'il n'y ait pas que du Shenge, mais elle souhaiterait faire des activités autour du social, de la santé et dans d'autres domaines également. Donc c'est une demande, je réponds tout simplement à une demande, c'est pour ça qu'elles sont venues me chercher en décembre et que j'ai accepté du coup d'être la présidente de l'association. Les bonnes choses. Maintenant on va visiter un peu les cuisines. Oui, oui bien sûr, on va y aller. Ouais. Les différents plats qui s'offrent à nous pour aujourd'hui. D'accord. Nous expliquer un peu comment on les cuisine, parce que je sais qu'il y en a qui sont en métropole qui ont du mal à cuisiner. Et donc, si on peut avoir quelques explications par rapport à ces plats et comment on les cuisine. Alors, moi, je me suis occupée de toute la logistique, parce que ben voilà, nos mamans n'ont ni le temps, ni les moyens de se rendre sur Mamoudzou, à Bandélé, pour faire les courses. Du coup, celles qui sont un peu plus jeunes et qui sont encore... je veux dire, encore en forme physiquement pour faire les courses et faire les va-et-vient en voiture, on le fait et puis ben, on les accompagne derrière. Mais elle tenait vraiment à ce que ce soit elle qui mette la main à la pâte. Et du coup, aujourd'hui, ben, je vais... C'est une solo, là, ça. Oui, ben, je vais la laisser décrire. Donc, Mbani, c'est comme ça tout le temps. Soalimo, allez, c'est comme ça tout le temps. Mbani, d'a kofanya m'solo, là. Memuna, vikabo. Memuna. Basi mana kufanya finyenyet. Donc là on a le mtsolola avec du maïs. Oui, c'est la première fois que je vois ça justement, c'est pour ça que je pose la question. Mm-hmm. Pour savoir un peu comment on fait pour préparer. Mbole, mtchetine van. Voilà, elle va vous le dire tout simplement. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ini mrama tsohol chini trovi mhogo frampé, manaputu, joana manafi, na temate, hanga. Nsolola, on y roi didi. Didi ntsangu, awa orongwa shibushin, didi ntsangu. Inu wasu amaore, wasu y roi gobo. Ini, alhamdulillah, robin alamina, onutu wa mrama shmaore, si mrama tu. Mrama utabu o malafuni haho, Uvinge ujo huwe ukatekate. Wamoso katakata, usuro hota. Wamoso rohota huwe chovia ho, uwe mhogwa ho, uwe frampela ho, ute hangaya ho, ute ndrimu ya ho. Ndrimu vraba, vraba delishibiza mtuzi. Ute stuza uzurohore, tazise abo ute ndrimu ya ho. Bemchukate ndrimu, pindisha udayo kaya iva. Nekaka iva, ndrimu deka ivurana, shauleleka ivurana na ndrimu. Salamu alaikum. Unusu jibata, watu na wajibani wajala ule didinta kuini. Lazimu ketibani leo la ule didinta kuini. Msoketi? Ewa, marahaba. Merci. Et là, c'est du voilà, ça poulet. C'est du poulet. Voilà, elles ont vraiment tenu à aller chercher le poulet à l'abattoir, carrément. Donc, local. C'est pas local, vraiment. D'accord. Et puis, de l'assaisonner à la mahoraise. D'accord. Avec du vrai safran, du jardin et tous les ingrédients qu'il faut, quoi, les saveurs mahoraises. Vivement le coucher du soleil. Voilà. Vivement. Alors, puis on a le bata bata. Donc, comme je disais, c'est la première fois que je voyais ça de Mtsolola avec du maïs. Oui. En plus, maïs local. J'en parlais justement hier avec quelqu'un. Comme quoi, les Mtsolola, souvent on mettait du Felkimvungé ou de Mafana ou l'autre, là, Felknyongo. Et elle trouvait ça bizarre. Et là, aujourd'hui, c'est du maïs qui est là. Donc, ça montre que ce que je lui ai raconté hier n'était pas. Du n'importe quoi. C'est un plat qui est très apprécié ici, beaucoup. Et peut-être certainement diététique aussi. Au vu de ce qu'on voit, ça a l'air pas mal du tout. Mais là... Alors ici, c'est... Tout ce qui est friture. Friture, mabawa. Oui, donc on a des enfants aujourd'hui au Futari avec nous. Donc on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient manger. Ils nous ont répondu, on veut des mabawa. Donc pareil pour les enfants, c'est à la demande...
on s'adapte avec ce qu'ils aiment. Il faut faire plaisir aux jeunes aussi. Mais toujours avec les assaisonnements ici, de chez nous. Donc ici, friture et ici, c'est grillade. Oui, alors grillade maintenant, mais tout à l'heure, on a eu tous les houbous. Mm-hmm. On a cuisiné ici aussi les bankorois. Donc c'est terminé, vous verrez ça tout à l'heure sur les nattes. On a déjà posé, on a fait toutes les fritures de bananes, les fritures de manioc aussi. Donc, on n'a pas acheté. Elles ont toutes ramené. Chacune est partie au champ chez elles. Et elles ont toutes ramené un peu de banane, un peu de manioc, un peu de songe. Voilà. Donc, ça coûte assez cher. Et vaut mieux consommer local. Hein, donc, en parlant local, on m'a dit qu'il n'y aura pas de poisson aujourd'hui. Non, parce que c'est des femmes. En fait, le poisson, c'est assez spécial. Donc déjà, il faut savoir le cuisiner, il faut avoir le temps de le cuisiner surtout. Donc elles n'ont pas souhaité avoir du poeza. Je leur avais demandé, elles m'ont dit, mais non, il faut laisser le poeza pour une prochaine fois. D'accord. Et on va se concentrer sur les bases parce que le poeza, il faut du temps, il faut vraiment du savoir-faire. Et nous, quand on le cuisine, on aimerait l'avoir à toutes les sauces. Donc à la sauce tomate, poeza ya hangwa, poeza ya haniwa, voilà, même au charbon grillé comme aussi. Ça, ou grillé ou au feu de bois. Et il en faudrait quand même en quantité. On est nombreux aujourd'hui. C'est quelque chose qui est rare à trouver en ce moment. Donc, on s'est concentré sur le principal. On voit un peu les dames qui sont là-bas. Oui. Voir ce qu'elles font et avoir leur avis. Salam alaikum. Namouri Zoro, Navanou Hazia, Youssouf Litin. Manavanou Kila Moutoumé, Anamiso Yaevan. Bonsoir à Futuru. Bonsoir à Futuru. Ça fait des mal à Chapéa. Salia Soboha. Il trouve vie. Salia Nyama. Salia. Salia Soha, ça fait un osboha de l'île. Le futur, nous avons bien. Par rapport à la futur. Dans un sujet. Je suis allé à la maison. Tu as juste tiré Ivan. Quand tu as juste tiré Isahao, quand tu as juste tiré Amjivia, maintenant zo pia zo va vos zava vos sujiva. Maintenant zipua na tu as joao. Kangui kakamku ata finyenyetsi ata i bankorwa ata bawatsiloliwohwa ata pia zistawi. Ewa. Kula valia zo tiloa madza tayari. Bele u karso para poetsa. Mtsopara. Lewan. Mtsopara poetsa iyo. Ewa, wewe kide yo tsoka tu secret tu oho. Ehe. Yo secret tu oho ya he tu. Enam na yo marahaba. Donc juste derrière toi, il y a le houbou. Ah oui, ça c'est fait ça c'est fait à base de kabidja, c'est ça? Inu boati, inu boati ndine. Voilà, boati ndine. Ah d'accord. C'est quoi le mot en français déjà? Je sais pas. Boati ndine, je sais pas. Je pense en fait que c'est du manioc en poudre, quelque chose comme ça. C'est du... En tout cas, c'est d'accord. Du manioc. C'est du manioc. Oui, je pense, ouais. Oui, donc c'est du manioc et... C'est sucré, c'est... On peut le sucrer. On peut le sucrer. Ouais. Je sais que les personnes âgées, elles aiment beaucoup ça, mais boire le houbou nature. Moi, je l'aime bien, mais sucré. Sucré. Voilà. On peut avoir les explications concernant justement la cuisson de Boatindi. Ah oui, c'est vrai, ça serait intéressant. Alors, pour venir parler, moi, mais ils ont vraiment des mois pièges finalement. Alors, Boatindi, vous les montrez fanya gégé. Eh ouais, Boatindi, au babo, yo katso hole tunjope ya Maria Tahaniwa. Skadza majamure ho makoni, urenge tindri ya ho ne kautsa ha upulise tuvale, vokati urenge ya salia uivuvwe, apo wi tsanganse pia pumosha nyungoni vale. Deli kao kateyo. Na yo tindri tu yangina tindri yangina mhogo yangina tsohole yangina ehe safike vapo ile tindri ehe yo de tindri ewa be safike mwanroni hule yo kama ari batata yo ndo tsimbwa malavuni je itsuhwa itahaniwa yanihwa itwa ya maji no latswa ata we gauha ehe we gauha unga wa heule. Ewa bomo isopara unga wa hele pale vokati ojo fanye ubua hepo. Ewa ukadzema jamori ya makoni beka. Ya sukari ukamwata. Yo kaya tula sukari raha. Watuti ya sukari be raha kareti ya sukari. Mtoitia hapo. Mtu atsahao. Ewa mtu atsahao so tia sukari ya hiyo ukasaha madzaba si atsono kamkate ilio babo. Marhaba. Nous poursuivons il y a
notre bol là-bas. Je pense que c'est du houbou aussi, mais différent de celui-ci. Ça, c'est à base de riz, je pense. Sauf c'est un autre houbou aussi, Mbolé. Mbolé. Il n'y a pas de houbou à Tini, moi, Fanny. Il n'y a pas de houbou à Tahan. 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 Yotso hole de dudulwao amula babo skadzama jamuro makoni usutia kirikiri babo harumwa unga ule uvuvwe unga leta ufanya majimaji ubuhudzia harumwa nyungu ya majamuro no nozingisa ta woja dzaupwete namne wamtu unwatu na kirikiri wamtu chamwana vilivili manga de babo woka mkautilwa vilivili manga mtu ataha je vilivili manga upunguza mwana papa cha vilivili ya de wojiba kam namne na kirikiri ya hei yao maji na tsohole ya dudulu imelanjewa na maji utuwa na manakirikiri vale ya taaniwa waburu sufuvua ubu urucharuma majamoro yali ya urohora abu turine uturine na mnini nubinruwa shiwita yu ketipwete uhiruwa buwa taani moja unu buwa tindi marahaba Dayati, quelques mots pour l'association avant de conclure. Moi, je suis très émue. Les autres activités, notamment, qui sont dedans, à part le shengue. Pour l'instant, c'est que le shengue. Donc, elles font principalement du maolida, des entraînements deux fois dans la semaine. On répond également à quelques demandes. Donc, quand il y a des événements dans la commune, elles sont énormément sollicitées pour participer à l'événement et valoriser la commune notamment. Donc, on a fait pas mal de petits tournages, mais dans le cadre de la valorisation en fait du sud, hein, de la commune et également du sud. Et si je suis là aujourd'hui, si elles ont demandé à ce que j'intègre l'association, c'est de pouvoir ouvrir d'autres, les champs des perspectives dans l'association et faire d'autres découvertes. C'est ce qu'elles veulent en fait, c'est pouvoir organiser des activités intergénérationnelles avec des jeunes, avec des enfants. Elles veulent sortir un peu, découvrir Mayotte. Il y en a beaucoup qui ont certes 70-80 ans, mais elles ne connaissent pas tellement Mayotte. Et voilà, donc voyager, pas aller loin, mais juste à Mayotte, aller dans le nord, découvrir le nord, ou bien ici dans le sud, mais faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui les font sortir de leur contexte aussi, du quotidien, et profiter de leur vie, tout simplement. Quelques mots sur cette journée ? Ah, c'est une journée très riche, donc on pense à celles qui n'ont pas pu venir parce qu'elles sont malades ou parce qu'elles ont eu des empêchements. On aurait vraiment aimé avoir les 70 membres de l'association parce qu'on est à peu près 70 personnes ici âgées entre 25 et 85 ans, voire 90 ans. Et on a aussi nos hommes. Vanum trunu fundua trunu. Me mshewa hembole akade menuru. Menuru wode fundua maudi dawati ya maori. De chongora renga pia usomoa menuru. Menuru ambao fundua trunu. Fundua trunu arivao. Basi na mjeru mdunge fundua trunu athumani saidi bweni. Salamu alaikum. Ça lui tenait à cœur en fait, parce que celle qui nous a toutes enseigné le Maolida Shengue à Mayotte, c'est ma grand-mère, mais bon, on a tous des liens de famille ici. Elle est décédée il y a 4-5 ans, je crois, et elle est décédée, elle avait 110 ans à peu près. Et oui, et elle était, c'était une passionnée du Maolida Shengue. Le jour de son décès, elle a demandé à ce qu'on fasse un très grand Maolida Shengue ici. Et on a respecté son dernier souhait. On a fait un énorme Maolida Shengue ici. Et toutes les personnes de Mayotte, depuis la petite terre, sont venues à son enterrement. Et jusqu'à aujourd'hui, on lui a fait la promesse de garder cette association, voilà, de cet héritage. Voilà. Je vous remercie. Je te remercie, Dayati. Quelques mots. Merci à vous. On va continuer notre programme. On va maintenant suivre la vidéo de Oustad Saïd Kambi qui nous explique comment faire l'intention de jeûner. Est-ce qu'on le fait en langue locale, chez Maori Kibushi, ou en français, ou est-ce que c'est obligatoire de le faire en arabe? Et on se retrouve tout de suite après. Ni à Tipaka Sharabu. Maxwa Daurengor Honaho, Tipaka Yarongwa Sharabu, Suyarongwa Hamaylu Hao, Manon Suhadis Namungu,
yani roho yao ni connected na Allah donc ne ka roho yao ya shmaore iyo connected ya shmaore sipaka rongo sharabu ne ka rongo sharabu babo muhala sitongoza nzuzuri be maksuada yao loro no yao tao ya connected na Mungu yao maksuada yao ka haruma iluha yao uyorao hamo iluha yao uijwao haizo ne ka udungu ya mkirini be nsuhambi yamba wa udungu ya mkirini kana maksuada horabuzi hamaroho yao shmaore Bole reyo ndo wadunge ya mkirini, babo tumu yaho na ini yaho itorahara ha Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je disais, c'est ainsi que s'achève notre émission pour aujourd'hui. On se retrouve dans, dimanche prochain, même heure à 16h30 sur votre média Yatoumila. D'ici là, on vous laisse apprécier la voix de Madame Hassanati Kamardine qui va nous chanter un joli chant. شافعين لغلائك يوم المادي يا ربنا يا مجيب زين لعبادي زين لعبادي فمن رجاك لا يهيب يوم المادي محمد نور زين لعبادي زين لعبادي شافينا لغلائك يوم المادي أفينا لغلائك يوم المادي شافينا لغلائك يوم المادي وشافينا لغلائك يوم المادي شافينا لغلائك يوم المادي شافينا لغلائك يوم المادي شافينا لغلائك يوم المادي يوم المادي يوم المادي يوم المادي اللهم صل على محمد صلى الله عليه